Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs euh, sur ce deuxième épisode du DZ Podcast, euh, le show dédié à l'Algérie. Aujourd'hui, on parle d'un thème euh, qui vous tient à cœur, euh, qui est très populaire en ce moment sur les réseaux sociaux, dont on parle énormément. Euh, C'est le thème du patrimoine, en fait, le patrimoine algérien, la sauvegarde du patrimoine algérien. Et aujourd'hui, pour parler de ce thème, euh, j'ai en ma compagnie euh, El Bouni. Donc Alboni, c'est un citoyen algérien euh, patriote, euh, euh, voilà, qui porte un grand intérêt pour euh, pour le patrimoine culturel algérien. Euh, il défend ce patrimoine culturel algérien depuis maintenant euh, au moins 2019 euh, sur Twitter notamment. Donc si vous êtes sur Twitter et que vous suivez, on va dire certains tu, euh, certains euh, Algériens patriotes sur euh, sur ce réseau sur, sur ce réseau social, vous êtes sûrement tombé sur Alboni. Euh, El Bouni, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur le DZ Podcast. Bonjour Springfield. Ravi d'être sur le DZ Podcast et euh, animer donc euh, ce thème qui m'est cher comme il est cher à tout, euh, tous les Algériens qui sont patriotes, qui est le patrimoine culturel algérien. Je te remercie Elbouni, l'honneur est pour moi. Euh, je voudrais juste détailler pour nos auditeurs qu'on traitera de ce, dans cet épisode donc de ce thème du patrimoine euh, culturel algérien en deux parties. Dans une première partie, on parlera vraiment de la préservation du patrimoine euh, culturel algérien, et dans une seconde partie, on parlera de ce phénomène d'appropriation qu'on observe. Euh, mais je, pour introduire un peu euh, le premier sujet, euh, Elbouni, est-ce que, est que tu peux nous donner une brève explication de, de ce qu'est le patrimoine finalement culturel euh, Qu'est-ce que c'est -ce que, -ce que, -ce qu Comment il peut se manifester à travers quoi Et euh, est-ce que tu pourrais aussi nous dire euh, vraiment quelles sont les spécificités du patrimoine culturel euh, algérien mm, Très bien. Donc, euh, le mot patrimoine à lui seul signifie euh, héritage. D'ailleurs, en anglais, quand on traduit euh, enfin, du français à l'anglais euh, le mot patrimoine, c'est heritage. heritage Pardonnez mon accent. Et donc, euh, du coup, en ce qui concerne le patrimoine culturel algérien, c'est un héritage, donc c'est un leg culturel que nous ont transmis euh, bah, nos, nos ancêtres, euh, nos ouais. ascendants, et que nous, on doit maintenir pour le transmettre de nouveau à nos, à nos, ascendants, à nos descendants. pardon et euh, du coup, le patrimoine culturel, son ensemble, euh, qu'il soit algérien ou pas, il se constitue de deux grands ensembles. Donc le, le, premier, ensemble, le premier, ouais, premier ensemble, on peut, on peut qualifier ça, ça d'ensemble, c'est le patrimoine matériel, d'accord Qui est si, surtout constitué de, des paysages construits, d'architecture, d'urbanisme, des sites archéologiques. Donc ça peut être chez nous, dans le cas algérien. Euh, de mausolées royaux de Numidie par exemple, des ruines romaines comme celle de Timia de Djemila, ou, euh, ou des, des palais, donc le palais du, du Bey, à savoir celui de Constantine mmh. ou Oran. Donc ça, ceci est un exemple. Et euh, donc ça, c'est le patrimoine matériel. Et euh, de l'autre côté, donc le deuxième ensemble, on a le patrimoine immatériel. Donc lui, il est défini comme, euh, comme des pratiques et des savoir-faire, euh, enfin des savoir-faire liées à plusieurs domaines, à savoir culinaire voilà, donc la transmission de recettes euh, historiques, euh, vestimentaires, que ce soit le, le port de Cafetan, de karakou, de costumes voilà, régionaux, leur, fer, leur ferverie, par exemple, aussi, qui est euh, ouais. l'art de, de confectionner les bijoux ou encore l'art musical. Euh, Ta deuxième question c'était qu'est-ce qui distinguait le patrimoine culturel algérien des autres, c'est ça? oui tout à fait, donc, donc, euh, fait. l'Algérie euh, on a la chance d'avoir une très très grande histoire donc on est, enfin, la position géographique de l'Algérie a fait qu'elle ait une grande histoire donc elle est située euh, donc, euh, à l'Occident euh, en ce qui concerne euh, l'Occident de la Méditerranée donc euh, la partie ouest et euh, cette partie là elle, est, elle a été le carrefour de nombreuses civilisations depuis l'Antiquité euh, je peux citer les Numides donc, ils sont, euh, qui sont une civilisation autochtone de l'Algérie, en passant par les Romains, par les Byzantins, puis ensuite par les Arabes euh, et les Ottomans. Donc, c'est très synthétique hein, ce que je fais, hein, les Ottomans et, euh, et la colonisation française. Donc, euh, toutes ces civilisations, donc, euh, plus ou moins, hein, il y en a certaines qui ont plus saccagé qu'enrichi qu le, 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 la, la culture algérienne, ont fait ouais. euh, aujourd'hui euh, qu'on ait un héritage culturel très important. Donc c'est surtout, euh, l'héritage aujourd'hui algérien, c'est surtout, on pourrait le qualifier de façon très euh, enfin, synthétique, comme un, 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 un mélange entre la culture berbère, arabe, islamique et voilà tout. D'accord, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, on va dire, cette, cette, ex cette explication synthétique. Euh, sur le patrimoine, euh, sur le patrimoine en général et puis euh, le patrimoine algérien en particulier. Donc moi ce que je comprends c'est qu'en fait euh, le patrimoine a une composante immatérielle et une composante matérielle. La composante immatérielle c'est un peu, euh, ça, ça fait, ça inclut aussi les traditions un peu notre identité quoi. C'est vraiment ce qui, ce qui définit notre identité. Et puis euh, le le patrimoine matériel c'est vraiment ce qui va résulter finalement de ce patrimoine immatériel. Euh, voilà quand tu tu parlé as parlé, de, as parlé de certains bâtiments par exemple ou certains édifices justement qui font partie du patrimoine matériel algérien donc c'est ce qui c'est est ce qu'on voit on va dire euh, à l'état matériel bon euh, voilà ok donc c'est très clair merci beaucoup Alboni euh, moi, moi, quand, moi quand je, je pense aujourd'hui quand je regarde un peu les discussions qu'il y a notamment sur les réseaux sociaux concernant le le patrimoine algérien, il y a beaucoup de, de voilà d'algériens qui se demandent et, et sûrement parmi nos auditeurs, hein, il y a beaucoup d'algériens qui se demandent euh, finalement quelle est la, la politique qui est engagée par euh, par l'État algérien pour euh, pour protéger ce patrimoine. Alors on verra un peu euh, euh, voilà qu'il y a qu y a des menaces aujourd'hui hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a des, il y a des menaces d'appropriation, mais on rentrera un peu plus dans le vif du sujet euh, dans, la, dans la deuxième partie. Euh, mais quel est, quel est, enfin, que, que, que fait l'État algérien aujourd'hui par rapport à la protection du patrimoine algérien Est-ce qu'il y, est qu y a une, une politique spécifique Est-ce que c'est est -ce est prioritaire aussi Est-ce qu'il y a un plan à long terme, une stratégie aujourd'hui qui apparaît finalement à travers euh, voilà, les différentes actions, les différents chantiers qu'entreprend euh, l'État par rapport à, à ce, à ce sujet-là Alors, tu l'as bien dit, Springfield, le patrimoine culturel algérien aujourd'hui fait face à de nombreux défis. Donc, mmh. euh, que ce soit le patrimoine, par exemple, matériel, il fait face au, à la dégradation. Donc, ça, c'est le défi du temps. Euh, au fil du temps, le, il y a des palais, il y a des ruines aussi qui se dégradent. Donc, avec les intempéries, avec les tremblements de terre, etc. Et il euh, y a aussi euh, la partie matérielle qui, euh, où euh, l'Algérien euh, lui-même, il y a, y a un manque de transmission où il y, a, y a, ça se perd en fait. C'est ça, il n'y a pas que l'Algérie qui, qui est concernée, mais la transmission de, par exemple, de, de de la broderie ou d'une recette euh, culinaire, enfin culinaire, se perd mais ouais. euh, il y a aussi la partie aussi de, en ce qui concerne immatériel il y a la partie de l'appropriation culturelle et donc du coup là il y a un défi qui est lancé à l'État la, algérien euh, concernant euh, le patrimoine culturel algérien donc euh, l'État algérien lui euh, en soi sa politique pour sa, la sauvegarde du patrimoine culturel algérien elle est assez, mmh. assez floue pardon euh, j'ai pas l'impression qu'il y, euh, qu y ait une stratégie euh, solide vis-à-vis -vis de la défense et la valorisation du patrimoine algérien elle existe mais elle reste superficielle donc voilà c'est pas une politique qui est engagée dans ce sens là de protection et de valorisation elle existe mais elle reste superficielle euh, donc ce qui a été fait en soi je peux donner un exemple euh, par l'état algérien en ce qui concerne la valorisation du patrimoine algérien c'est quelques rénovations de bâtisses anciennes mais euh, en soi, il n'y a, a pas de politique euh, donc à l'échelle nationale qui est engagée pour l'ensemble du de, pour la préservation de l'ensemble du patrimoine algérien. D'accord. Justement, j'allais y venir, euh, Bouly, oui. euh, par rapport justement aux chantiers engagés, euh, voilà, pour rénover, pour préserver certains, certains sites euh, qui sont classés. Euh, euh, voilà, pour certains qui sont carrément, qui, qui font partie, on va dire, du patrimoine euh, mondial de l'UNESCO, hein, je crois que ça se dit comme ça. Oui, de l'humanité. Euh, patrimoine de l'humanité, exactement. de l'humanité, ouais. Et euh, qu qu'est-ce qu que fait justement, qu'est-ce qu'on fait, enfin, quels sont les chantiers engagés aujourd'hui pour préserver, pour, pour rénover ces sites euh, parmi tant d'autres hein, enfin on parle de cela mais enfin je pense qu'il y en a qui sont qui sont plus connus que d'autres bien évidemment mais en, en règle générale est-ce que est-ce il y a des, des chantiers qui sont annoncés on, on parle souvent de la Casbah d'Alger pour ne citer que quel? Euh, voilà qu'est-ce qui est engagé par rapport à, à, la réno à la rénovation la préservation de ces sites euh, sachant que comme tu l'as dit euh, certains sont un peu euh, sont un peu en ruine alors euh, si on si on fait une rétrospection sur les 20 ans donc, euh, de, en Algérie concernant le patrimoine culturel, euh, ouais. ce qui a été fait, ce qui a été entrepris par le, enfin, l'État algérien, je ne dis pas le gouvernement parce que ce n'est plus le même, euh, Donc il y a eu, euh, donc, durant Bouteflika en 2011, euh, une manifestation culturelle. Euh, donc, euh, et c'était Tlemcen donc la ville de Tlemcen dans l'ouest de l'Algérie qui a hébergé cette manif manifestation culturelle qui est, euh, qui est la capitale de la culture islamique voilà. ouais. et durant cet événement culturel ce qui a été fait c'est qu'il euh, y a eu des restaurations de monuments médiévaux donc, euh, donc les monuments médiévaux en Algérie sont, sont, sont soumis à cette euh, dégradation avancée et euh, Simsen a eu la chance d'être euh, élu euh, comme capitale de la culture islamique en 2011 et ça lui a valu donc, la restauration de monuments médiévaux et euh, la reconstruction de monuments qui ont été détruits euh, par la France coloniale donc là je cite euh, le, patri... enfin, le palais euh, des Zianides, donc euh, El Meshwar qui a, eu, ouais. là, qui a, eu, euh, qui a été reconstruit euh, par des artisans euh, donc, à l'identique sur des plans d'archives euh, il euh, y a eu aussi la capitale euh, de la culture arabe donc, qui était Constantine malheureusement ça a été un fiasco il y a eu euh, uniquement le palais du bey qui a été euh, rénové le reste n'a pas été abouti donc il y a eu des projets euh, en ce qui concerne par exemple la médina de Constantine ce qu'on appelle le suika qui oui. est dans le dans le chez les citoyens enfin chez les constantinois pardon euh, ça n'a pas été ça n'a pas abouti il y a eu que le palais du bey qui a été rénové euh, puis ensuite on a l'ère de Tebboune, euh, le, le président actuel, donc Abdelmajid Tebboune, euh, où là on a des petites rénovations qui, ont, qui sont faites, mais euh, timidement, à savoir euh, donc, euh, la Kasbah d'Alger, euh, une partie de la Kasbah d'Alger, euh, qui est la citadelle. La citadelle, c'est la partie haute, donc, euh, tout, enfin au sommet le plus haut de la Kasbah d'Alger. Euh, on a le palais du Dey qui est en cours de rénovation donc depuis 2013 mais il y a un, eu un coup de boost qui a été fait depuis euh, l'arrivée de Tebboune mmh. et en soi euh, voilà comme je l'ai dit euh, juste avant c'est ça reste très très euh, superficiel euh, donc en ce qui concerne euh, la restauration du bâti euh, euh, traditionnel algérien euh, lors de son mandat Tebboune donc euh, le président la République avait euh, lancé le projet de rénover toutes les anciennes mosquées d'Algérie, les mosquées historiques. Malheureusement, le projet n'a pas abouti. On sait pourquoi il n'a pas abouti. Enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui a été... Euh... J'ai une, une hypothèse de Springfield. Après, je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas dans les manettes de l'État. Mais je pense que c'est dû à, aux priorités, aux questions de priorité. Donc, euh, lorsque Abdelmajid Tebboune a repris euh, le, le, les rênes du pays. Euh, il était confronté à des questions euh, donc, euh, de société d'importance haute, à savoir euh, l'économie, la défense euh, du pays, donc à nos frontières, la sécurité à nos frontières, et euh, d'autres questions d'ordre géopolitique. Donc je pense que le patrimoine passe euh, au second plan, voire au troisième plan. D'accord, donc il se peut finalement que ce, ce sujet revienne, revienne euh, à l'ordre du jour, à un moment donné, à partir du moment où il a été un peu... Euh... Euh, voilà, mis en second plan, comme tu dis, en termes de priorité, mais il se peut que ça, ça revienne, ça revienne à l'ordre du jour. Alors, moi, j'y crois, mais que, enfin, je pense que l'État attend une certaine stabilité déjà, en ouais. termes d'économie et euh, stabilité sociale aussi. D'accord. Justement, en parlant de, en parlant de la société algérienne. Euh, est-ce que, est-ce que aujourd'hui les, les citoyens ils sont, ils sont justement attachés à la préservation de ce patrimoine Je parle du point du point de vue individuel, mais aussi collectif. Est-ce qu'il y a des associations, voilà, qui sont, qui s'organisent pour justement faire en sorte de, de préserver ce patrimoine Parce que bon, on peut, on peut penser à l'État, mais l'État ne peut pas tout faire, bien évidemment. je C'est aussi à la, à la société civile de, de s'organiser par rapport à un certain nombre de, de problématiques. Donc, est-ce qu'il est-ce qu'il y a un intérêt de la part des Algériens euh, est-ce que c'est un domaine finalement, euh, la culture, le patrimoine etc, est-ce que c'est est quelque chose qui est important pour la société algérienne euh, aujourd'hui euh, Oui, donc il y a un intérêt qui est hautement suscité auprès des, euh, des Algériens, mmh. donc ça, ça suscite beaucoup d'intérêt le patrimoine culturel algérien, donc euh, on le voit par des actions euh, de valorisation qui sont faites sur, le, sur les réseaux sociaux et internet euh après, en termes d'associations, il euh, y, y en a certaines qui existent donc, euh, et qui ont l'honneur d'exister. Moi, je veux citer Santé CD El Houari, donc il y a une association basée à Oran qui euh, veille à la protection et à la rénovation de la Médina d'Oran donc certaines bâtisses en fait euh, de la Médina d'Oran, pas toutes ouais. euh, qui est dans un état de délabrement très très avancé donc c'était l'une des plus belles Médinas euh, de, de son époque et qui se retrouve totalement en ruine donc euh, dans un état lamentable et on a la chance d'avoir l'association Santé Sidi Houari qui sont c des personnes qui sont passionnées par euh, ce qu'ils font donc ils forment par exemple des euh, jeunes Algériens euh, sans emploi euh, au métier de, de l'artisanat, ouais. d'ailleurs de pierre, euh, donc euh, peinture sur bois, ébéniste, donc plein, plein de petits métiers euh, donc euh, de l'artisanat euh, qui sont essentiels dans le, la préservation du patrimoine matériel algérien. Il y a aussi une, une entreprise, donc ça c'est pas pas, une pas en soi une action citoyenne, mais c'est une entreprise qui, euh, qui qui est chargée euh, de faire de la restauration euh, euh, de biens. Euh, bien patrimoniaux algérien, c'est ouais. l'agence Ali Pacha, donc qui rénove pas mal d'îlots euh, de la Casbah d'Alger euh, avec des artisans locaux et euh, selon des méthodes anciennes donc traditionnelles et anciennes. il voilà. voilà, y, y a un intérêt, il y a un intérêt, on le voit au travers d'associations, on le voit au, au travers d'actions euh, populaires, que ce soit dans le nettoyage de certains lieux en ruines qui se transforment en déchetterie ou au travers aussi d'entreprises privées d'accord bah écoute merci merci c'est très clair moi je n'étais pas au courant justement euh, pour, pour, pour cette enfin, à propos de cet aspect là euh, de ces initiatives euh, tu as parlé justement de transmission un peu du savoir-faire notamment dans l'artisanat euh, des jeunes voilà qui sont qui sont formés à ces métiers là euh, justement par rapport à, à la jeunesse euh, est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse elle est, elle, est, elle est sensible à ce, à ce domaine là est- ce que euh, notre école euh, on va dire l'éducation civique sensibilise un peu les jeunes par rapport à, 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 la, à la préservation du patrimoine euh, parce qu'en fait finalement c'est eux, eux l'avenir, hein, c'est eux qui ont un rôle à jouer euh, par rapport, par rapport à, à ce domaine là mais par rapport à tant d'autres domaines euh, est-ce que le, le programme scolaire, l'école finalement algérienne sensibilise nos jeunes euh, par rapport à la, à la préservation de, de ce patrimoine qu'il soit matériel ou immatériel alors moi je ne connais pas le programme scolaire algérien mais j'ai questionné euh, certaines personnes qui ont fait l'école en algérie mmh. donc, des personnes qui sont très proches euh, et qui sont tout aussi euh, donc euh, euh, qui ont un intérêt vis-à-vis euh, -vis de du patrimoine culturel algérien qui... et du coup ce qu'ils m'ont dit c'est que on leur apprend très peu déjà de leur histoire donc le patrimoine et l'histoire algérienne c'est lié euh, on leur apprend très peu de leur histoire et on leur apprend on leur apprend très peu de ce qui existe en termes de patrimoine matériel en algérie donc, euh, l'école algérienne ne leur enseigne pas ce, ce qui existe chez nous, donc en termes de déjà de, de dynastie, enfin toute la richesse historique algérienne n'est pas enseignée. Euh, après, donc moi, en ce qui concerne ma famille, euh, j'ai questionné mes oncles et mes tantes, mmh. euh, le programme était différent. Donc euh, durant les années 60-70, il était différent, les 80. Euh, il existait en fait des cours d'artisanat de, euh, pour les hommes et pour les femmes, pour les, pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc les jeunes filles, on leur apprenait euh, les broderies traditionnelles et euh, les jeunes garçons, on leur apprenait des métiers euh, comme menuisier, euh, forgeron. Euh, et de la dinanderie et également aussi de la broderie pour les hommes, donc de la broderie euh, à fil d'or comme le meshboud, par exemple, qui est une broderie euh, masculine euh, dans l'Est algérien. Euh, Aujourd'hui, euh, non, moi, je n'ai pas eu vent d'enseigner, de, de transmettre euh, ces points-là euh, euh, liés au patrimoine, à la jeunesse algérienne. Par contre, y a, la jeunesse algérienne euh, porte beaucoup d'intérêt hein, en ce qui concerne le, le patrimoine algérien. Je, je connais même des personnes qui sont, qui se forment à des, euh, à la broderie traditionnelle algérienne, notamment à Alger, par mmh. exemple. Mais est-ce que ça reste, euh, on va dire, euh, est-ce que le nombre de, voilà, de personnes qui s'intéressent qui, qui à ça, enfin, qui essayent de, de se former, comme tu dis, euh, est-ce que, est que la proportion de jeunes qui, qui s'intéressent à, à ça euh, est, est importante? Enfin, de ce que tu me dis, moi, je comprends qu'en fait, euh, à l'époque donc dans les années 60 70 euh, à l'école voilà on, on faisait en sorte que les gens soient intéressés enfin on faisait découvrir certains métiers certains éléments de notre de notre culture de notre, de notre patrimoine euh, voilà à l'école et qu'aujourd'hui ça n'existe plus donc on est un peu sur euh, ce que tu penses qu'on est sur une pente euh, un peu descendante aujourd'hui par rapport à voilà, au partage, on va dire, de, de, de connaissances, de savoir-faire, de culture euh, au niveau de l'école. Est-ce que, ah est 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 que ça doit changer, finalement Oui, ça, ça doit clairement changer. Donc, euh, ça passe par l'éducation. Si, si on veut sensibiliser euh, le jeune public algérien à son patrimoine euh, immatériel et matériel, on, on doit miser sur euh, l'éducation euh, scolaire. On doit miser sur l'éducation scolaire. En, en romançant déjà l'histoire algérienne, donc, euh, en prenant tout en, enfin l'ensemble des composantes qui ont fait l'histoire algérienne de l'antiquité ouais. jusqu'à l'époque moderne, mais également en, en mettant en valeur euh, les régions algériennes et leur euh, savoir-faire. donc, euh, l'école tout l'éducation nationale a tout à jouer dans le, la transmission euh, euh, du patrimoine euh, culturel algérien euh, aux jeunes publics et à la jeunesse algérienne. Et tu as, as parlé d'un point hyper important, euh, tu as parlé de, de, de l'histoire et justement de, du lien qui est entre l'histoire, patrimoine, culture. Euh, donc ce, ce que tu dis, si je comprends bien, enfin essaye peut-être de, de, de me corriger si je me trompe par rapport à, à mon interprétation, mais en gros ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, le programme scolaire algérien... Ne couvre pas l'entièreté, finalement, de l'histoire algérienne. C'est-à-dire qu'on insiste énormément sur la, la période de la, voilà, de, de, la, de la révolution contre la colonisation, de la, de la guerre pour l'indépendance, qui est tellement importante, bien évidemment, mais ce que tu dis, c'est qu'on devrait couvrir beaucoup plus en termes d'histoire pour pouvoir justement euh, avoir cet attachement, euh, cette, cette connaissance euh, par rapport à notre patri patrimoine, parce que notre patrimoine, c'est des, des siècles et des siècles d'histoire. Euh, et donc, pour pouvoir le comprendre et l'apprécier, il faudrait comprendre euh, bah, toute l'histoire algérienne, finalement. C'est ça. ça. Donc, euh, tout à fait d'accord avec euh, toi, Springfield. Donc, le, le, comme tu l'as dit, euh, l'éducation euh, scolaire algérienne passe en revue euh, l'histoire algérienne depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais ouais. elle insiste fortement sur la partie euh, de la, la guerre de libération. Donc, contre mmh. le colonialisme français. Euh, moi, ce que, je, ce que je pense de ça, c'est que euh, l'État, en fait, elle veut fédérer euh, l'ensemble de la nation algérienne autour d'un récit euh, donc, euh, historique euh, national, qui est la guerre de libération euh, contre le, le joug français. Mmh. Euh, en ce qui concerne les autres périodes historiques de l'Algérie, j'ai plus l'impression que l'État en fait ne veut pas, euh, enfin, dans un souci d'union de, de, populaire, froisser un parti comme l'autre. C'est l'impression que j'ai. L'État ne veut pas aborder ces sujets pour éviter de... Euh, de mettre un couteau euh, enfin remuer le couteau dans la plaie comme on dit et euh, soulever des questions identitaires et créer par la suite de la division entre euh, le peuple algérien. Après moi je pense que c'est une erreur. Hein. Moi je pense que c'est une erreur, il faudrait au contraire reprendre et affirmer euh, l'ensemble de affirmer et assumer l'ensemble de, de l'histoire le, de algérienne, peu importe la période. Parce que sinon, ça laisse le champ libre à des euh, idéologies et ça peut euh, se transformer en extrémisme. Enfin, voilà. Je ne suis pas de rentrer dans, dans ce, ce sujet-là, mais ouais, il faut ouais. aborder l'ensemble de l'histoire algérienne pour éviter que chacun fasse son interprétation de l'histoire algérienne. Voilà, C'est ça que je voulais dire. Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alboni, hein, sur, sur, sur ce point-là. Mais on, on, aura, on aura forcément l'occasion de, de, de faire un épisode spécial sur euh, l'histoire voilà, algérienne. Alors, Bien évidemment, euh, j'ai envie, envie de dire euh, euh, de la même manière qu'on peut pas couvrir euh, la, la, le thème du patrimoine algérien en un épisode, euh, on ne pourra pas euh, voilà, on ne pourra, on ne pourra pas couvrir euh, le thème euh, de l'histoire algérienne en un épisode, mais en tout cas, on touchera du doigt ce, ce sujet-là, euh, bien évidemment, euh, voilà. Surtout si nos auditeurs bien sûr sont, sont intéressés pour qu'on couvre ce sujet-là. Euh, on a parlé on, quand on a commencé à parler justement à évoquer ce, 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 ce thème-là. On a parlé des euh, de certains risques auxquels fait face on va dire l'Algérie en général hein, parce que ça ça fait partie d'un tout, mais spécifiquement le domaine du patrimoine. Euh, voilà, il y a, y a en fait il y a des menaces aujourd'hui par rapport à à, à ce sujet-là, c'est-à-dire que le patrimoine algérien finalement est, euh, est dépecé, entre guillemets, est volé. Euh, on a certaines parties, certains pays qui s'attaquent au patrimoine algérien et qui, comme tu dis, essayent justement de, de changer l'interprétation de, de, de qu'ont les Algériens de leur histoire pour justement subtiliser euh, tout ce qui en résulte finalement. Et ce qui en résulte, c'est le patrimoine. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, que l'État est conscient de, de, de ces menaces-là euh, Est-ce qu'il y a une stratégie de défense Est-ce que, est que tu vois de ton côté euh, voilà, un vrai engagement de la part des autorités euh, ou une conscience voilà, de la part des autorités par rapport à, à ces phénomènes-là On parle d'une guerre de quatrième génération. Moi, je pense que ce, ce sujet fait pleinement partie de la guerre de quatrième génération. Qu'est-ce que tu en penses, Albouni, euh, Alors, de, 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 ce, de ces menaces Ces menaces, elles existent elles sont persistantes. Voilà, donc euh, elle rentre dans le conflit de quatrième génération. D'ailleurs, le gouvernement algérien a cité euh, ce terme-là, donc euh, guerre de quatrième génération. Euh, donc il en a conscience de, 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 de cette problématique. Euh, Est-ce qu'il est engagé pour, le, pour parer cette euh, guerre de quatrième génération Non je ne pense pas euh, qu'il y ait engagé à 100% du moins euh, pleinement euh, contre cette guerre de quatrième génération par contre euh, comme tu l'as dit euh, Springfield il en, a, il en a conscience donc on le voit notamment euh, donc, au remaniement ministériel en ce qui concerne le poste du, de ministère de la culture, en deux ans on a eu ouais. euh, droit à, à, à trois euh, ministres de la culture à savoir Malika Bendouda qui était la première euh, ministre de la culture euh, sous Tebboune euh, puis ensuite, euh, Wafa Chehlel, euh, qui était la seconde. Et aujourd'hui, on a donc, le docteur Soraya Mouloudji, qui est euh, ministre de la Culture. Donc, ce remaniement ministériel, en si peu de temps, euh, notamment euh, en ce qui concerne le poste de ministre de la Culture, montre euh, que euh, l'État algérien a conscience de cette guerre de quatrième génération sur laquelle euh, jouent euh, euh, nos, euh, certains États ennemis. Moi, moi justement, je voulais... Je voulais revenir justement sur ce que tu appelles, toi des États ennemis. Euh, ça va, ça va nous permettre de faire un peu la transition vers la, la deuxième partie euh, sur sur l'appropriation culturelle euh, et, et le vol du patrimoine. Qui, qui sont qui sont ces États ennemis Enfin, que, que, qui sont les principaux coupables aujourd'hui du vol du patrimoine euh, algérien, selon toi euh, on La France et le Maroc. Donc la France, c'est euh... Elle a, elle a agi dans l'appropriation culturelle algérienne, donc euh, ouais. de, façon très de façon historique, en fait. Euh, elle avait pour but principal de conquérir l'Algérie, donc la France durant la, la conquête en 1830, pour la déposséder de ses richesses et plus tard en faire une colonie. Et euh, lorsqu'elle a voulu en faire une colonie, elle, elle était exposée à des difficultés. Et ces difficultés, c'était quoi C'était l'union en fait de, de l'ensemble des, des Algériens de l'époque pour faire face à, 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 aux conquêtes de la France coloniale. Donc, ce que ce qu'a fait la France coloniale, donc afin d'assimiler facilement l'Algérien à, à ce qui deviendra plus tard l'Algérie française, c'était d'abord en fait d'attaquer, euh, de s'attaquer pardon aux, aux artisans. Donc euh, ça c'est une, une réalité. Un exemple, Alger comptait euh, plus d'une centaine d'ateliers de, de confection de la soie et de tissu. Lorsque la France coloniale est, est arrivée aux portes d'Alger et, et s'est emparée d'Alger, il n'en restait que deux. Donc la plupart des, de ces artisans-là ont fui vers le Maroc et vers euh, Damas en Syrie. Euh, donc, pourquoi la France s'en est pris au patrimoine immatériel, donc, à savoir aux artisans algériens et, et matériels, puisqu'elle a détruit de nombreuses, de nombreux palais, de nombreuses maisons, elle a dé dé défiguré, euh, euh, des villes comme Alger, en lui destituant ses, ses murailles, Anaba, Constantine. Euh, pourquoi? Donc, c'était, comme je l'ai dit, c'était dans le but d'assimiler, en fait, facilement euh, le, le peuple algérien. Donc, un peuple sans patrimoine culturel, c'est un peuple sans identité. En fait, donc facilement assimilable. Donc ça c'est le premier ennemi qu'on avait eu vis-à-vis -vis vis -vis du patrimoine culturel algérien, donc la France coloniale. Et on a un deuxième ennemi qui est le Maroc, donc euh, qui, qui, qui est important de le citer. Euh, le Maroc en fait, euh, avant de parler de, euh, de, de l'appropriation culturelle en ce qui concerne le Maroc, il faudrait d'abord revenir à l'histoire de cette terre géographique et culturelle qui s'appelle le Maghreb. Euh, ce qu'il faut savoir en fait dans le Maghreb, c'est que au Maghreb, euh, ça for... on avait un bloc culturel donc assez homogène avec quelques différences culturelles, d'accord. Mais mmh. on avait ce, ce bloc culturel qui était homogène, donc à savoir une culture euh, arabo berbère avec des influences euh, arabo-andalouses, notamment euh, dans les milieux citadins, donc dans les villes, non, avec une culture assez euh, raffinée. Et à contrario, euh, ouais. un milieu rural, qui... on avait une culture rustique, d'accord. Et euh, la différence qui va se faire dans ce, cette ère géographique, c'est euh, l'apport des Ottomans. Donc, l'Algérie va connaître apport, un apport culturel considérable des Ottomans, et ce qui va faire de la culture algérienne une culture raffinée. Et à ce moment-là, on va le distinguer euh, la culture algérienne de la culture marocaine. Et euh, du coup, en ce qui concerne la progression culturelle, elle s'est faite très très tôt au Maroc, euh, bien plus tôt que de ce qu'on en pense. On a la chance d'avoir un, un texte qui en parle, donc celui d'Ali Bey, qui est un espion espagnol, qui s'est rendu au Maroc, décrit déjà une première forme d'appropriation culturelle que les Marocains faisaient, notamment envers le patrimoine culturel algérien. Et je cite donc un passage de son récit il disait que le costume des Marocains est très peu connu en Europe parce que lorsqu'ils viennent. Ils prennent ordinairement le costume barbaresque des Turcs des Régences. Les Régences, c'est Alger et Tunis. Il euh, y a aussi euh, donc euh, l'arrivée des Français en Algérie qui a provoqué un apport considérable culturel des Algériens à la culture marocaine qu'on connaît qu'on le connaît, qu connaît euh, aujourd'hui. Ouais, tu parlais tu parlais tu parlais des artisans justement qui ont fui vers le Maroc c est, c est, c est à partir la, du début de la colonisation. Il y a, a l'apport ouais. et l'appropriation hein, qui, 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 qui sont deux choses différentes. Donc il y a un apport culturel algérien qui a été fait en direction du Maroc Donc, euh, que ce soit culinaire par exemple avec le couscous la pastilla, la mhancha et d'autres pâtisseries, d'accord, qui se sont faites surtout dans les régions de Tangier, Tétouan et Oujda euh, pour la pastilla par exemple je prends un livre marocain qui en parle d'ailleurs euh, qui dit euh, lors d'une fête euh, organisée en l'honneur du maréchal euh, Lyoté, euh, il y avait une fête euh, donc euh, avec de différents mets et comme plat préparé, et, euh, il y avait la pastilla. Hein. Donc il est dit qu'il y a donc, dans le livre il est dit qu'il a déjà vu la pastilla en Algérie. Donc Lyoté avait déjà vu la pastilla en Algérie et avant son arrivée avant son arrivée au Maroc, mais elle devient rare et ces derniers temps, donc, en Algérie, elle est rare. Et un des Marocains répond à Lioté en lui disant que la pastilla est d'origine algérienne, mais si la présence des Français dure au Maroc aussi longtemps qu'en Algérie, la pastilla risque de disparaître au Maroc. Donc là, ça c'est un petit récit historique, donc euh, un échange entre Lioté et, et euh, un Marocain lors d'un banquet. Il y a aussi l'apport vestimentaire, à savoir le caftan, le jabadouli, dont le nom a été travesti en djabador pour le jabadouli, qui est le costume citadin masculin des hommes algériens. Il euh, y a une archive euh, marocaine qui en parle, donc, euh, qui date de 1913, qui parle du caftan. Il disait, euh, par exemple, le caftan a été introduit euh, à Fès par, le, par les artisans de Tlemcen. Donc, euh, je cite, c'était une industrie de Tlemcen transportée à Fès. Ils apportaient également des selahem, burnous, donc, qui est un genre de cap, et des caftans. Mmh. Et ensuite, il y a aussi les bijoux. Donc, tu peux citer beaucoup de choses hein, les bijoux, le, le domaine musical, donc les bijoux avec le khayt le Khét Shahir ou le Donc il euh, y, y a un livre qui en parle Bijou du Maroc, du Oda, de la Méditerranée. Euh, le patrimoine musical avec le Randanti de Tlemcen, la musique arabe andalouse qui s'est implantée à Oujda et à Rabat, donc, euh, par le biais d'un grand musicien euh, Tlemcenien, Mohamed Ben Smein, en 1921, qui a créé une, a créé une école de musique arabe andalouse. Et voilà. Donc, il y, y a de nombreux euh, exemples hein, qui en parlent de ces apports-là. Le problème, c'est quoi? C'est que ces apports, aujourd'hui, ils étaient, enfin, historiquement, ils étaient reconnus par l'ensemble de des populations marocaines. Euh, ouais. D'où la présence de ces archives. Mais aujourd'hui, les Marocains nient en bloc et refutent l'existence de ces apports culturels considérables à la culture marocaine ouais ju juste une question par rapport à ça euh, justement ça a, ça a commencé à partir de quand euh, parce que tu dis euh, il nie en bloc ces euh, apports de la de la culture euh, algérienne euh, à la culture marocaine euh, mais ça ça a commencé à partir de quand je veux dire cette euh, ce, ce comportement ou cette tendance à justement nier cet apport là est-ce que c'est tout récent ou c'est quelque chose qui date de voilà de plusieurs de plusieurs décennies alors moi pour m'être intéressé au patrimoine culturel algérien et et débuté sur, euh, sur la toile donc sur internet je l'ai vu euh, à partir de 2010 mais je pense que euh, c'est bien plus ancien parce que je le voyais dans les forums donc euh, les échanges en 2009 sur certains forums comme Yabi l'a dit donc les forums marocains euh, mm -hmm. où là ils en parlaient euh, donc euh, il parlait nettement d'appropriation il y avait des petits clashs entre Algériens marocains euh, mais euh, sinon euh, l'appropriation en soi euh, donc euh, elle s'est poursuivie hein, avec la France, la France coloniale, qui a fait du Maroc en fait euh, le, ce qu'il est aujourd'hui. Donc euh, en faisant l'unification du sultanat de Fès et de Marrakech, euh, le thé a, a fait en sorte de créer un Maroc euh, grandiose, rayonnant, en s'appropriant des éléments justement culturels algériens, à savoir euh, par exemple la tenue des hommes euh, algériens qui est le Jabadouli, et la, la donnée à, à, à la garde d'Espagne qu'il a introduit au Maroc. C'est un élément, par exemple, d'appropriation culturelle que s'est fait la France et qui, euh, coloniale et qui l'a transmis euh, en Maroc par la suite. Euh, et euh, du coup, euh, en ce qui concerne l'appropriation au XXIe siècle, donc, euh, la, la période qui nous concerne actuellement, elle est continue et elle s'intensifie avec euh, la démocratisation d'Internet et l'accès aux réseaux sociaux. Au départ, euh, Springfield, c'était euh, par... un simple vol de, de photos, euh, des photos algériennes, donc, qui étaient prises en Algérie, que les Marocains récupéraient et euh, qui faisaient passer pour des photos euh, donc, marocaines, prises au Maroc. Même, ouais. même chose pour les archives algériennes, des photos archives donc, euh, en noir et blanc, qui récupéraient et qui faisaient passer pour des archives marocaines, des photos euh, marocaines. Donc ils modifiaient même la légende de, de ces photos-là. Euh, même si c'était des photos anciennes, donc ils prenaient une gomme sur Paint ou sur Photoshop, donc c'est très, euh, c'est facilement réalisable, hein. et euh, changer la, la légende de, du, de la photo. Euh, puis il y a aussi euh, un phénomène donc euh, récent qui, qui a eu lieu dans l'appropriation euh, culturelle, c'est euh, le rachat de tenues anciennes, donc, euh, que ce soit des tenues euh, karakou, kaftan, blousa, euh, la tenue de Constantine, la djebba, katefa. Donc il y a de plus en plus d'achats de, euh, de pièces anciennes, de tenues anciennes qui sont faites euh, par les Marocains et qui sont exposées euh, aujourd'hui dans des musées marocains en les faisant passer comme des pièces. Euh, marocaines, anciennes, ou des pièces ottomanes, pour ne pas citer l'Algérie. Et, et ces euh, vêtements-là que tu oui. cites, euh, est-ce que euh, est -ce qu sont, est -ce qu ils sont vendus par des Algériens Est-ce que c'est des Algériens qui leur vendent Ou est-ce que c'est est, est acheté à, on va dire, à des étrangers qui l'auraient acheté à des Algériens Je veux dire, est-ce que c'est vraiment des Marocains qui vont voir des Algériens directement pour leur acheter ces habits-là Et les Algériens sont... sont sont prêts, enfin à leur vendre ou est-ce que c'est voilà, c'est fait un peu euh, indirectement Alors euh, ça va vous surprendre, hein, mais il y a des groupes sur Facebook qui existent et qui ont fleuri, euh, qui se multiplient. C'est des groupes euh, arabophones et, et euh, qui s'appellent rachat de tenues anciennes, d'accord et euh, du coup comment ils procèdent donc, les marocains, elle est très intéressante ta question donc, euh, comment ils procèdent il euh, y, y a de nombreux groupes qui existent sur Facebook, des groupes arabophones qui proposent le rachat de tenues anciennes à des familles algériennes qui sont, qui sont modestes généralement et, euh, et et du coup donc ces groupes-là euh, proposent de les racheter à prix fort. C'est c'est voilà donc euh, souvent c'est des publications euh, qui ils, ils prennent des anciennes tenues algériennes. Ils les postent sur euh, ces groupes-là et, et ils disent euh, oui nous sommes intéressés par euh, le, la gandola traditionnelle de Constantine. Euh, voilà le montant qu'on est prêt à mettre pour ce pour leur achat de ces tenues-là. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc les Algériens eux ne alors, ils sont assez naïfs dans le. Sont, en, je utilise ce terme de façon gentille, enfin, le, la plus gentille possible. Hein, sans, voilà. Donc, euh, assez naïfs qu'ils sont, euh, eux vont, vont vendre leurs biens, voilà, sans se rendre compte de l'enjeu derrière et toute la, 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 la machination euh, qui, qui, qui en est faite. Je ne sais pas si le terme machination est, peut être utilisé. Ah ouais. voilà qui qui en est fait derrière et donc du coup vont vendre ces tenues à ces personnes là qui sont qui pour eux c'est ni des marocains ni c'est des algériens lambda hein, la voilà, proximité géographique oblige pas parler oblige dialecte oblige donc les les revendent à ces personnes là et du coup ces personnes là les ramènent au Maroc et les euh, donnent euh, donc euh, à des musées marocains pour qu'ils soient exposés donc je peux citer un musée, par exemple, hein. un musée par exemple, le musée du judaïsme à Gaza qui expose bah, du coup un kaftan, des caftans de Tlemcen, des caracous d'Alger et même des tenues de Mostaganem, des frimla, des, des babouches brodées au fil d'or. Ouais, sauf qu'ils ils disent que c'est soit marocain, soit ottoman. Alors, et ils ne citent pas l'Algérie en tant que telle. Ils disent marocain, ottoman et maintenant juif. Voilà, c'est le nouveau terme qui est utilisé pour euh, que l'appropriation se fasse mieux, pour spolier au mieux, les, les, que ce soit de, dans le, le vestimentaire ou l'alimentaire aussi. Donc ils disent que c'est les juifs qui nous, nous ont amenés. Donc euh, ça, ça permet en fait de camoufler en fait leur, leur vol et légitimer facilement leur, leur appropriation culturelle. Donc c'est pas nous, ce sont les juifs marocains qui nous ont apportés. Et comme les juifs c'est une population qui, qui voyageait beaucoup, entre elles, enfin ils avaient un très grand réseau, surtout les, les séfaradim, donc les juifs euh, de l'Espagne euh, musulmane, de, de, de la péninsule ibérique, euh, entretenaient un réseau entre eux, et donc pour eux, c'est plus, en fait, euh, ça passe mieux de dire que ce sont les juifs marocains qui l'ont apporté, ces, ces, ces biens culturels. Donc ce que tu es en train de nous dire, Alboni, c'est que... Voilà, contrairement aux Algériens, enfin, on ne va pas dire tous les Algériens, mais euh, certains Algériens qui vendent justement ces habits enfin, ce, ces, ces éléments du patrimoine euh, immatériel et puis matériel, hein, parce qu'il y a aussi, il y a aussi de, de la confection derrière. Oui. Enfin, euh, contrairement à ces gens-là qui sont pas conscients, euh, les Marocains, eux, qui, qui rachètent ces habits-là, sont très conscients de ce qu'ils font et ils ont un, un objectif bien tracé c'est enfin il y a ils ont il une stratégie derrière de récupérer le maximum de d'éléments du patrimoine algérien pour les exposer au Maroc ou dire que c'est marocain enfin pour se les approprier finalement est-ce que les algériens aujourd'hui ils sont de plus en plus sensibilisés par rapport à ça euh, tu parlais des réseaux sociaux effectivement les réseaux sociaux ça a permis de ça a permis ces, ces, cette appropriation là mais est-ce que ça permet aujourd'hui une prise de conscience plus Importante des Algériens ou est-ce que c'est quelque chose qui est malheureusement négligé aujourd'hui euh, Non, c'est pas négligé Springfield. Il y a une prise de conscience qui est faite hein, dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'Algériens mmh. qui, euh, voilà, qui, qui le voient et qui sont très sensibles hein, à cette question-là. La majorité des Algériens maintenant le, le sont. Euh, tu m'aurais posé cette question euh, il y a dix ans en arrière, je t'aurais dit euh, malheureusement non, ils n'ont pas encore cette prise de conscience. Ils ne l'avaient pas, cette prise de conscience. C'était. Euh, euh, je cite hein, entre guillemets, kheawa kheawa, kif kif. Voilà, c'était toujours les termes qui nous ressortaient. On est la même chose. Ils connaissaient ouais. mal en fait le peuple marocain en termes de culture, de ce qu'ils avaient eux chez eux culturellement, ils le connaissaient mal. Pour eux, c'était un ensemble culturel euh, qui continuait, le Maroc, et euh, ils avaient les mêmes euh, les mêmes tenues, traditions, etc bien qu'on ait des similitudes, bien sûr, je, je, ne, je ne le nie pas, pardon, euh, mais la dangerosité, en fait, de, de cet acte-là, d'achat de, 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 de pièces anciennes, que ce soit dans les tenues, d'artefacts, bon, tout ce qui est euh, cuivre, le nes, etc., euh, c'est que avant, ils réclamaient un patrimoine qu'ils n'avaient pas, au travers de nos photos, et au, aujourd'hui, ouais. maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, ils peuvent justifier le fait d'avoir ce patrimoine-là, parce qu'ils disent maintenant, ah ben non, regardez, on a un musée au Maroc qui euh, avec telle pièce ancienne, vous pouvez pas nous contredire. Fort heureusement. Euh, même si ça joue en leur faveur, ce vol-là. Fort heureusement, ce qu'on a, nous, c'est les archives qui ne montrent pas. Donc, euh, en ce qui concerne les apports, donc, les, certains archives que j'ai citées, et encore, c'est une, une liste qui est non exhaustive, on a les archives de, no de nos côtés, donc, soit les, les archives photo qui montrent euh, la richesse du costume algérien et, euh, et celle, enfin, du costume marocain. On voit le, le, le costume marocain qui est totalement différent à celui qui est aujourd'hui, soit des cafetans brodés, chose qui n'avait qu pas. Donc, fort heureusement, voilà. on a ces archives-là qui sont écrites et des archives photographiques. Et j'aimerais d'ailleurs, si tu me le permets, Springfield, lire une archive qui est, uh, qui est assez uh, parlante. Donc, c'était. Il uh, faut que je retrouve le passage. Voilà. Donc, c'est uh, la, de, de la revue des Deux Mondes. La revue des Deux Mondes qui explique la différence du costume entre Algériens et Marocains. Donc, c'est une archive française qui date, uh, si je si je me trompe pas, hein, de 1900, uh, 1930. Donc, uh, je cite Les boutiques s'y trouvent en grand nombre, en parlant du Maroc. Et presque toutes sont tenues par des Algériens, dont le costume brillant contraste avec la simplicité marocaine. Ces Algériens paraissent beaucoup plus civilisés et passent pour entendre les affaires et le commerce. Donc voilà, ça c'est une archive du 20e siècle, début 20e siècle, euh, qui, euh, qui montre la différence entre le costume algérien, euh, donc euh, assez sophistiqué, assez euh, élaboré. Euh, face ouais. au costume marocain qui était assez neutre, je vais pas le dire, euh, donc euh, je, je vais pas dénigrer, mais qui était euh, différent, voilà, c'est le terme différent du costume algérien. Et aujourd'hui, lorsqu'on leur apporte les photos, euh, fa... enfin, lorsqu'on prend les photos côté marocain et qu'on compare avec euh, ce qui existe aujourd'hui chez eux, c'est totalement différent. Et lorsqu'on prend des photos anciennes côté algérien et on compare avec ce que le Maroc a aujourd'hui, c'est similaire. Donc en fait, c'est là, là que le, la différence ou entre guillemets le rattrapage s'est fait. C'est-à-dire que ça s'est fait à travers l'appropriation et, et mmh. on voit qu'ils on voit, on voit qu ont subtilisé finalement, des, comme tu as dit, des éléments pour pouvoir s'approprier, on va dire, ce, ce raffinement et cette… Mmh. Euh... D'accord ok bah écoute c'est très clair on tu me m'enverras tu, tu springfield c est, c est un... on peut en parler pendant des heures ce, ce chapitre là d'appropriation culturelle c'est ouais, je, je sais je un sais on, on fera on, on, je, moi, en tout cas j'espère que nos auditeurs sont oui. voilà que ça, ça les intéresse et qui sont passionnés par, par ce sujet en tout cas ce que ce que tu nous euh, expliques en termes de, voilà d'archives de, d'éléments vraiment probants qui, qui montrent cette appropriation c'est extrêmement intéressant le Malheureusement, on n'aura pas le temps de, 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 tout, de tout balayer euh, de, dans cet épisode, mais moi, en tout cas, si, si, si nos auditeurs nous demandent euh, voilà, de, de, de partir sur un second épisode, on en parlera bien évidemment dans un, dans un, oui. dans un, dans un, dans un autre épisode, euh, Inch'Allah. Inch euh, moi, il y a un truc que je voulais évoquer spécifiquement, justement, par rapport à l'appropriation euh, c'est cette question de, de l'UNESCO. Voilà, euh, je pense que ça a fait pas mal de grabuge entre guillemets Ouh. sur sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il euh, y a ces, dossiers, ces différents dossiers qui sont qui sont envoyés à l'UNESCO parce que le bonnet a parlé de euh, as parlé de d'archives et justement de preuves. Même si effectivement ils avaient des éléments, on va dire matériels, qui représentaient cette culture-là, euh, nous avons les archives, nous avons les preuves historiques que c'est euh, voilà que, que ce patrimoine-là il est bien algérien. Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la reconnaissance internationale euh, Parce qu'on a parlé de, on a parlé d'UNESCO. On voit cette, on voit plusieurs dossiers qui, qui sont finalement soit poussés par le Maroc pour pour dire que certains éléments sont purement marocains et donc qui n'existeraient pas ailleurs. Donc euh, ça c'est c'est déjà un premier problème. Et on voit parfois des dossiers qui sont bloqués, euh, voilà, qui sont qui sont euh, soumis par l'Algérie à l'UNESCO. Pour faire en sorte de certifier l'algérianité de certains éléments, euh, donc du patrimoine immatériel ou matériel. On parle par exemple du rail. Le dossier du rail, euh, je crois qu'on en a parlé ensemble la dernière fois. Il a été, euh, il a été refusé ou il a été bloqué à, à, au niveau de l'UNESCO. Qu'est-ce euh, qu qui se passe exactement au niveau de cette organisation-là et qu'est-ce qu'on doit faire, euh, que ce soit nous, citoyens algériens, ou que ce soit euh, nos autorités Alors, euh, il faut rappeler ce que c'est l'UNESCO. Donc, euh, l'UNESCO, euh, pour ouais. ceux qui ne savent pas, c'est une organisation de, de l'ONU. Donc, elle est chargée pour euh, l'éducation, la science et la culture. Donc, euh, voilà. Euh, comme, donc, euh, ce que fait l'UNESCO, en fait, en termes de patrimoine matériel et immatériel, donc, euh, elle, elle fait bien le, le distinguo entre les deux, d'ailleurs. Euh, c'est qu'elle inscrit certains éléments par pays euh, pour euh, déjà qu'il y ait une reconnaissance internationale à l'échelle internationale vis-à-vis -vis de ce patrimoine, mais aussi euh, faire un suivi euh, de l'entretien de ces monuments, si c'est dans le cadre du patrimoine matériel, en donnant euh, donc, euh, des subventions. Voilà pour entretenir ces éléments euh, qu'ils ont fait pour la Casbah d'Alger. Et en ce qui concerne le patrimoine immatériel, donc c'est la même chose. Ils veillent à ce que euh, ce patrimoine immatériel soit perpétué et euh, ils veillent à le sauvegarder. Donc on a le cas, enfin l'exemple du Ehalil à Tinimoun, donc euh, dans le Gourara, la région euh, dans le sud-ouest de l'Algérie. Euh, donc voilà. Donc en, en soi une description très brève de l'UNESCO. Donc euh, il y a les, ch ch chacun des pays en fait dans la partie immatérielle. Euh, va chercher en fait, à inscrire un bien pour qu'il y ait une reconnaissance euh, internationale de ce bien-là. Euh, L'Algérie en euh, a inscrit pas mal, d'ailleurs, pas, pas mal de biens immatériaux à, à l'échelle de, de l'humanité, euh, grâce à l'UNESCO. Et ouais. aujourd'hui, l'Algérie peine à inscrire certains biens. Donc, euh, Tu l'as cité, le rail. Donc euh, on l'a l'avait évoqué, c'était Mihoubi, à l'époque Azedine Mihoubi qui a voulu inscrire euh, donc ministre de la culture euh, algérien qui a voulu inscrire le rail comme oui. patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Euh, donc euh, et ça, 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 ça s'est pas fait. Donc depuis euh, 2016, c'est un dossier qui rame. Donc euh, la candidature du rail, elle est en cours. Donc elle a été bloquée, elle était en attente, elle a été en qu'on appelle en backlog, c'est ce le terme qu'utilise l'UNESCO, pendant un certain moment et là depuis 2022 euh, avec une pression euh, populaire notamment des Algériens sur les réseaux sociaux, le, le dossier est passé et, euh, et, enfin il est en cours d'études et euh, on va voir ce qui va, ce qui va en résulter. Euh, tu vas me poser peut-être la question pourquoi euh, on est désavantagé vis-à-vis -vis de l'UNESCO. Tout à fait. Il faut savoir fait. que depuis, depuis euh, bah, l'élection de Audrey Azoulay, qui est la, qui est la directrice de l'UNESCO et qui est la fille de André Azoulay. Donc le conseiller de Hassan II euh, historiquement et le conseiller actuel de Mohamed VI, le roi du Maroc, euh, fait, enfin joue en faveur du, du, du Maroc euh, en termes de culture. Donc, euh, elle va plutôt favoriser des dossiers euh, marocains, enfin que le Maroc pose comme étant marocain, euh, que des dossiers euh, en faveur de l'Algérie. Je peux citer un exemple, si tu me le permets, Springfield, euh, la Fantasia. La Fantasia, qui est un patrimoine maghrébin. On le retrouve en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie, mais sous forme différente, avec des chameaux, par exemple. Euh, le Maroc s'est accaparé on a fait un monopole, et s'est accaparé ce patrimoine et l'a inscrit comme une exclusivité marocaine. Et ce, et ce dossier n'a pas été remis en cause par l'UNESCO, chose qui est, qui est insoutenable, et il a même été validé. Voilà, donc ça a suscité un émoi vis-à-vis euh, -vis de, de l'Algérie, qui a pris l'étendard de, des Maghrébins, puisqu'on l'a vu sur les réseaux sociaux. Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas vu de Tunisiens ou de Libyens se manifester ou de Mauritaniens. Il n'y a que les Algériens qui ouais. se sont manifestés pour tous et pour nous-mêmes. Euh, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il, il, il y a beaucoup de choses. Hein. Il, y a, il y a également euh, le Tektar, par exemple, le, le fait de la distillerie traditionnelle qui est, qui est freinée, il y a, euh, a, a d'autres choses, il y a les Medehèdes de l'Oranie, il y a, les il y a les, aussi les bijoux kabyles qui, semblait, euh, qui sont en proie d'appropriation culturelle par le Maroc, les bijoux kabyles des donc une tribu euh, en Kabylie qui, euh, qui est réputée pour leur sonnofreverie en argent et, en, et avec du corail rouge de Méditerranée, qui est en proie ouais. d'appropriation par les euh, artisans de Tiznit, euh, une région berbère du Maroc qui fait passer les bijoux kabyles comme... Euh, comme euh, des bijoux marocains anciens et alors que rien à voir, hein, ils sont totalement différents et, et donc du coup voilà, c'est à peu près euh, tout ce qu'il y a dans, dans ce qui concerne l'UNESCO. Il y a aussi un, un dernier point si tu, si je peux l'ajouter, euh, le Maroc a été lui euh, élu pardon à la vice présidence de la commission chargée de valider euh, et d'étudier et de valider les, les dossiers posés par les États membres. De l'UNESCO, donc il peut refuser comme accepter euh, nos, nos dossiers. Justement, moi je, je voulais juste revenir. Petite question sur. Euh, tu as parlé de la, de la Fantasia. Oui. Euh, est-ce est que ça, est-ce que le dossier marocain a été admis sous ce nom ou est-ce que, euh, parce que j'ai l'impression qu'ils il n'avaient pas accepté le dossier sous le nom de Fantasia euh, Non, pas, euh, c est c est, autres, la, ils ont joué sur les termes en fait. Donc il ouais. y, y a un terme marocain qui est propre. Enfin il Fantasia, il un terme marocain qui est propre au Maroc qui est la Tbourida. On l'utilise dans certaines régions d'Algérie, mais euh, limite au Maroc. La Tbourida. Euh, et du coup ils n'ont pas, euh, pas, mis le, le mot Fantasia. Bon, après le mot Fantasia c'est un terme, c'est un terme plutôt latin. Hein. Donc euh, c'était euh, c'est les Français qui ont donné ce terme-là euh, à cette expression euh, culturelle euh, équestre. Et euh, le, le terme exact en Algérie, c'est le, le Beyrouth, le jeu de poudre avec le cheval. Ou le, voilà. Ça se ressemble entre Bourida et c'est la même étymologie. Hein. Tout à fait, tout à fait. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour ces explications. Donc, moi, j'ai moi, envie de te poser la question. Enfin, ok, ça, c'est le constat. On, on voit, on voit le, on, on voit, on voit ce qui se passe. Bon, il y a, il y a un gros lobbying, on va dire, qui est, qui est fait au niveau d'UNESCO pour faire en sorte de, de, on va dire, de pousser un peu ces, ces dossiers du Maroc en termes d'appropriation, etc. Euh, Qu'est-ce qu que fait l'Algérie par rapport à ça enfin est-ce qu'on doit contre-attaquer au niveau gouvernemental au niveau étatique pour faire en sorte justement nous aussi d'avoir euh, on va dire des, des, des voilà des personnes de nationalité algérienne au sein de cette organisation à des postes clés pour pouvoir euh, pour faire en sorte que cette organisation soit plus neutre, ou est-ce que finalement on se dit aujourd'hui que l'UNESCO, de toute façon, euh, voilà, ça, ça ne veut pas dire grand-chose et qu'on pourra changer, euh, enfin, on pourra changer éventuellement cette euh, cette reconnaissance de certains éléments algériens qui ont été reconnus comme marocains plus tard. Enfin, qu quelle est la stratégie par rapport à ça, à ton avis mm -hmm. enfin, est-ce que tu vois des éléments vraiment euh, concrets pour faire en sorte de contre-attaquer par rapport à ce, ce lobbying euh, voilà, qui, qui est très fort. Euh, alors déjà on peut remercier euh, l'ancien directeur du CNR euh, PH. Donc le Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique en Algérie, qui est euh, M. Sliman Hachi, qui lui euh, milite euh, et fait en sorte de proposer des dossiers dans le, dans le domaine de l'immatériel. Et euh, qui, qui bataille, donc, euh, Beck et ongles, euh, enfin, ouais, avec son équipe bien sûr, bec et ongle pour euh, que ces dossiers soient poussés et inscrits. Donc euh, voilà, il lâche pas le morceau. M. Sliman Hachy. Ce que doit faire l'État algérien, le gouvernement algérien avec... Bien sûr, c'est les États, les autres États maghrébins, à savoir la Tunisie. Je vais vous dire pourquoi maghrébins la Tunisie, la Libye, la Mauritanie. C'est déjà délocalisé. Le bureau Maghreb, qui est aujourd'hui installé à Rabat, le délocaliser parce qu'il y, y a un manque de neutralité. Donc, euh, proposer, par exemple, l'Algérie peut proposer Tunis, qui est une, la Tunisie qui est un, un pays assez neutre. Donc, voilà. donc euh, proposer Tunis euh, par rapport euh, à la délocalisation dé 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 du bureau euh, de maghreb de l'UNESCO. Déjà faire ça, proposer ceci. Euh, dénoncer euh, la corruption qui est, qui est faite euh, donc, euh, à certains strates de, de cette organisation. Et, euh, et du coup, ce qu'elle peut faire d'autres, euh, l'Algérie, c'est inscrire bah, des éléments que, que le Maroc a inscrit, les inscrire euh, au nom de l'Algérie avec euh, un nom algérien pour le concurrencer. Après, c'est très complexe, ce préfixe dans, au niveau de l'UNESCO, c'est très compliqué parce que euh, le Maroc euh, a été mis en tant que vice-présidence euh, de la commission euh, chargée de valider les biens immatéri immatériels. Euh, par des États membres qui sont alliés au Maroc, donc il y a des votes qui sont faits aussi. Hein. Donc l'Arabie saoudite qui avait voté en faveur du Maroc, les Émirats arabes unis qui, ont, qui avaient voté en faveur du Maroc, la Jordanie qui avait voté en, en faveur du Maroc. Donc euh, ça décrit bien, enfin comme quoi le, la géopolitique dépend bien sur la, la, la partie euh, culturelle. Mmh. Mais l'État algérien doit s'affirmer par rapport à ça effectivement, albouni, on voit bien comment euh, la géopolitique affecte euh, ou influence, euh, voilà ce domaine de la culture. et puis, euh, le sujet du patrimoine, plus particulièrement. Euh, en tout cas, on va garder cette phrase euh, comme phrase de conclusion, albouni. on arrive à la fin de notre épisode. déjà, première chose, je, je voudrais te, te remercier, en fait, pour... Euh, euh, voilà, tout, toutes les réponses que tu as données, euh, c'était extrêmement intéressant. Je, je tiens à le souligner. J'espère que nos auditeurs vont l'apprécier autant que moi je l'ai apprécié. Euh, et puis, euh, j'espère une on te verra dans un, dans un prochain épisode éventuellement inchallah. pour, pour qu'on couvre un peu plus un peu plus ce thème. En tout cas, je te donne je te donne le mot de la fin, Alboni. Euh, enfin, je te donne une, une dernière euh, une dernière chance justement pour euh, voilà pour pour t'exprimer. Euh, euh, éventuellement faire passer un message à nos auditeurs si tu le souhaites. Merci Springfield. Moi je tiens déjà à te remercier encore une fois pour euh, l'invitation. Et euh, du coup, je remercie aussi grandement euh, le, le, les Algériens. Donc euh, peu importe d'où ils viennent, donc les Algériens. Parce qu'ils ont pris cette conscience-là qui est de, liée à la fragilité de leur patrimoine matériel et immatériel. Donc, euh, il faudrait qu'ils continuent à, à, se, à se battre euh, en ce qui concerne la, la protection et la valorisation de, de notre patrimoine culturel. Euh, parce que laisser la place vide, c'est laisser la place aux autres. Et du coup, euh, je, je les soutiens et je soutiens leur motivation dans ce, dans ce combat-là. Voilà. Merci beaucoup Elboni, je te remercie. En tout cas, j'espère qu'on a voilà qu'on a couvert euh, euh, autant que possible en ce qui concerne ce thème-là. Bon, on a eu on a eu beaucoup de commentaires sur euh, sur Twitter voilà pour évoquer certains sites en particulier ou certains éléments du patrimoine immatériel en particulier. Malheureusement, on pourra pas tous les citer. En tout cas, on vous remercie de nous avoir euh, voilà donné un feedback sur. Euh, sur, euh, sur la question qu'on a posée justement pour préparer cet épisode, euh, on arrive à la fin de cet épisode et donc euh, moi ce que je vous invite euh, à faire c'est bien évidemment de nous suivre sur notre chaîne euh, euh, YouTube. Où on publiera l'ensemble des, épi des épisodes. Vous nous suivez peut-être déjà sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également et à liker cette vidéo. Ça aide énormément en termes de référencement et ça aide à faire connaître euh, la chaîne et puis le contenu qu'on publie. Vous pouvez Également, nous suivre sur les différentes plateformes de podcasting dont vous trouverez le lien sur notre site internet www.ledzpodcast.com. D'ici là, euh, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah, dans un nouvel épisode.